Je réponds au nom de Charles Dexter Ward. Je suis issu d'un background de graffiti. Je tends de plus en plus à me tourner vers de l'art contemporain. Je suis ravi d'être là et je remercie la médiathèque. Le facteur temps a été décisif, c'est-à-dire que j'ai travaillé plus au spray qu'au Posca. Question de temps, de remplissage plus rapide et d'efficacité. Je suis assez satisfait de moi, ça correspond à mon univers actuel, enfin celui que j'essaie de matérialiser, on va dire. J'espère qu'il y aura d'autres collaborations dans cet esprit. Grand plaisir que j'ai accepté l'invitation. Et puis petite production graphique, ça fait toujours plaisir. Et puis là c'était un nouveau challenge vu que c'était sur du mobilier urbain, donc c'était un support que je n'avais jamais utilisé ou testé. Donc voilà quoi, c'était une belle expérience, ça s'est bien passé quoi. Travail à l'aérosol pour préparer le fond et puis à finition Posca pour les détails et puis les personnages. Donc, ouais, ça s'est bien passé en plus, des belles rencontres, hein, tous les gens de la médiathèque, super charmants, super bon accueil. Donc je suis vraiment ravi d'être là et de participer à cet événement quoi. Et en même temps ça promotionne le graffiti sous un jour favorable, pour montrer un peu aux gens que c'est pas que du gyota partout, des gribouillis sur des murets quoi. Avec un peu d'ancienneté, un peu de technique, on arrive à faire des choses qui en valent la peine. Et on essaie de toucher un maximum de gens en véhiculant un message positif. Belle expérience quoi, franchement, des belles rencontres. En plus je suis satisfait de mon travail, bon, j'aurais bien pris 2 petites heures histoire de finir de peaufiner, j'avais encore des petits trucs à rajouter, mais bon, sinon dans l'ensemble, belle expérience, belle production, voilà quoi. Que du bonheur quoi. Et une bien belle région que je vais continuer à découvrir en baroudant un petit peu dans le secteur, donc voilà quoi. Je reviendrai avec grand plaisir quoi.